It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Dentiste et tout, mais c'est peut-être des oculistes qu'il leur faut. Ils voient pas qu'il y a du monde en face. Sokoumi, on n'y va pas, c'est en Abkhazie. On va la frôler l'Abkhazie, mais on n'y va pas. Je vais aussi frôler le Ford Transit, je crois. Ford de Brick et Brook. Au milieu de la route. Tu veux changer de l'argent, viens à Batoumi. Alors les plaques géorgiennes sont souvent symétriques ou double lettre. Ça y est, alors on est en Turquie. Oui, je sais, ce matin on était au nord de la Géorgie. Mais on a décidé de ne pas aller visiter la Svaneti. Et puis demain, exceptionnellement, on va partir vers le sud de la Turquie, le sud-est, mais on ne sait pas par où, on ne sait pas comment, parce que ce n'était pas quelque chose qui était vraiment calé dans le programme. Donc on y va pas le nez au vent, parce qu'on connaît bien quand même la région et la carte, etc. Mais je pense qu'on va descendre en longeant un peu la frontière arménienne pour peut-être revoir le mont Ararat et puis redescendre vers le lac de Van, je ne sais pas dans quel sens, par l'est, par le nord, on va voir. S'il ne fait pas trop chaud, j'aimerais bien aller dans le sud-est de la Turquie, vers Akari, etc. Puis remonter après vers l'ouest sur la D400 qu'on apprécie bien. Tu n'es pas sage. Tu sais dire euthanasie en turc? Ouais. Il y a un petit air insolent quand même. Dans quel pays sommes-nous? Pologne? Hongrie? Ah non, non, non. J'ai peur qu'elle recommence. Ah ouais. De retour dans le nord-est de la Turquie. On est à... Ah bah ça j'ai oublié. Ardahan. Ardahan. C'est assez propre, la route est neuve, les villages sont plutôt propres. Là-bas sur la colline, il y a le croissant turc avec l'étoile. C'est assez gros, ça se voit de loin je pense. Peut-être pas depuis la lune, mais en hélico, oui. On est sur la route d'Aktaş. Mais là, je vais pas me faire avoir. Je vais pas la prendre. On va bifurquer vers le sud, vers Kars. On est au sud d'Agri. Donc en Anatolie orientale, à l'est de la Turquie. On était descendu par Kars, et là, donc Agri maintenant, et on va plein sud vers le lac de Van. Et par une route qu'on ne connaît pas, qui était vraiment superbe hier, et là, on a trouvé un bivouac sur, sur la route abandonnée, en fait. Hein. Ils ont supprimé le virage là-bas pour couper la montagne et faire une route un peu plus rectiligne. «
On est aux abords du lac de Van, dans une petite ville, enfin une petite ville, une belle ville qui s'appelle Alat. Et on visite un cimetière seldjoukine magnifique. Alors magnifique pour un cimetière, mais regardez-moi la taille déjà des tombes. 12e je crois, 12e ou 13e siècle. Elles sont toutes gravées. Il y en a des centaines. Il y en a qui sont encore plus hautes là-bas. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO quand même. Alors c'est pas par hasard. Alors si vous voulez venir par contre, faut vous y prendre un peu à l'avance parce qu'il faut quand même 7 jours de route depuis la France. Mais avec un bon sandwich, ça passe. Il y a deux catégories, comme dans toutes les civilisations. Hein. Il y a ceux qui se sont fait faire des pierres tombales monumentales de 4 mètres, 4 mètres 50 de haut pour qu'on les voit de très loin. Mais ils ont oublié un truc, c'est qu'ils sont en plein soleil. Et puis il y a des gens plus sobres, peut-être plus humbles, qui se sont pris une pauvre petite pierre allongée, mais eux... Ils ont vu où était l'arbre. C'est pas idiot. C'est peut-être des femmes qui ont eu l'idée. Je sais pas, je sais pas. J'ai pas tout lu. En fait, je le lis couramment, le Seldjoukide. Mais le problème, c'est que les gravures dans les pierres sont abîmées aujourd'hui, après 7 siècles. Alors normalement, je sais pas si on voit sur la caméra, mais on va bivouaquer au pied du sommet qui est juste en face. Il y a deux lacs à 2800 mètres d'altitude. Et normalement, on dort là-bas, si tout se passe comme prévu.